Comment que ça va les potos? Amis complotistes, amis fous la fièvre, un petit coup de brosse à Fillon. Bon, eh bien, écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je travaille un petit peu mes conneries. Hein. Donc là je viens de terminer un petit texte que je vais vous lire, hein. Donc c'est une petite blagounette, hein, bien mignonne. Alors ces deux filles, Mélie et Mela, sont dans un bateau. Mélie me lèche le ronflement brun de mon anus pendant que Mela me suce les boules. Dans cette histoire sans queue ni tête, il n'y a pas de jeu de mots. Hein. C'est ça que c'est bon. C'était simplement pour dire à tous les crétins asservis de la Macronie de s'abonner à ma chaîne YouTube en fermant leur gueule, hein, ces gros nazes, hein, et de mettre des pouces et commenter, s'il vous plaît, hein, et partager, les amis, parce que vous savez que je suis encore dans le fil bas pendant encore 10 jours. Voilà, donc voilà, cordialement, Dr. Fulday. Quelle inspiration, quel talent. Comme dit ma cousine, c'est pas possible d'être si con. Bon sang, hein, bon sang. Tiens, allez, prenez votre ordonnance et allez tous vous faire soigner. Faites-moi pas chier. Bon, alors moi, vous voyez, j'écris donc sur sur des notes, hein, j'écris à la main, vous voyez, c'est pas ce qui manque, hein, c'est tout, les écrivains, les auteurs comme moi, d'accord, ils écrivent d'abord, ils grattent au papier, hein, pour pas perdre l'habitude d'écrire à la main, et puis après je remets tout sur ordinateur, pour que, voilà, rien ne se perde, voilà, j'ai toujours sur papier, sur ordi, au cas où il y a un problème technique. C'est ça que c'est bon. Alors, voilà, tac, 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 après, voilà, bon, tac, tac, qu'est-ce que j'avais écrit? Bon, après, je vais la faire un petit peu à l'impro, comme on dit chez nous. Alors, bon, moi, je suis toujours très, très inspiré par ce gouvernement de Guignol de Vogue, hein, tous ces pélicans, hein, parce que j'ai jamais vu autant de médiocrité, de mauvaise foi, de mensonges. C'est incroyable, mais vrai, hein, c'est dans ce gouvernement de saucissons. Hein. Comme disait le général de Gaulle, les Français sont des veaux, mais c'est aussi le pays de la saucisse et du fromage. Hein. Donc, vous voyez, je vais essayer de... Voyez, oh, comme par hasard, tiens, Maria, j'ai un bout de saucisse. Oh, Is, la saucisse. Oh, Is, la saucisse. Alors, tac, 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 on va descendre un petit peu tout ça, voilà, je sais pas où elle est, ma souris. Oui, donc t'as des saucissons, oui, du saucisson d'âne. Ouais, bon, on est gouverné vraiment par des saucissons et des saucissons d'âne, hein. C'est l'élite qu'on a en France, c'est rassurant, hein, c'est ça que c'est bon. Oui, c'est dommage, là, il n'y a pas marqué cochonou. Bon, enfin, bon, regarde, moi, Macron avec une saucisse, regarde. Tu vois, je le mets sur le front à Macron, comme ça, ça fait une licorne. Ah, je la mets aussi, regarde, dans les oreilles d'Olivier Véran, et je lui faisais... Je la bifle, Marlène Schiappa. Je la bifle, la Marlène Schiappa, hein. Cette saucisse, alors elle, c'en est une saucisse. Je vous le dis, moi, les amis. Hein. Je chatouille les oreilles de Brigitte Macron. Brigitte. Oh, et
Elisabeth Borne, je lui ai fait fumer la saucisse. Elle a plus besoin de sa vapoteuse. Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, je lui la bourre dans le fion à ce gros cochon. Hein? Enfin, bon, voilà, quoi. Mais, les amis, voilà, pour tous ces trous du cul, là, de la Macronie, qui sont vraiment dans ce théâtre médiatico-pathétique, c'est vraiment incroyable, mais vrai, hein. Et eux, tu vois, ils ont... tu vois, moi, j'ai envie de me lancer avec autant de talent, j'en suis conscient, hein, tout le monde me le dit. Hein, j'ai envie de me lancer, tu vois, dans l'écriture érotique, tu vois, comme Bruno Le Maire, si tu veux. Mais moi, comme par hasard, tu vois, j'ai pas d'éditeur. Hein. Par contre, Bruno Le Maire pour écrire de la merde, Marlène Schiappa, n'en parlons pas. Ils écrivent tous des livres, hein, même le petit, là, le ministre de l'Intérieur, là, celui qui est monté sur claquette talonnette, là. Lui aussi écrit des livres et des grands... Alors, je ne veux pas être prétentieux, mais je suis quand même un auteur et un écrivain de talent. Hein. Ben moi, dans mon pays, il n'y a personne qui m'éditera, vous voyez. Hein. Pourquoi ? Ben, ça, je sais pas. Alors, tu vois, dans mon propre pays, c'est comme ça. Alors, dans d'autres pays... On me tend la main. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ma coque faut faire ! Comme disait une grande philosophe et amie de ma grand-mère. Paix à vos âmes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben moi je pense qu'il faut s'en aller. Hein. Bah, car je ne peux plus t'aimer. Eh oui mon pays, je vais m'en aller. Car je ne peux plus t'aimer. Hey, enfin bon ben c'est comme ça. Hein. Donc je vais voilà, je vous donne vos petites ordonnances. Hein. Pensez bien à prendre vos suppos vaseline. Et si vous voulez perdre un petit peu de graisse. Autour de la taille, pensez à ma boisson à base de pisse d'âne et de gingembre. Hein. Pour certains, ça leur fera le plus grand bien, mes cochons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Hein. Prenez soin de vous et des autres. Et soyez sages, hein, qu'on n'apprenne rien dans la presse à scandale. Pitencia! Coraggio! Parce qu'il va en falloir. Allez, bise, bande de cinglés!